Je vous remercie beaucoup. Je suis évidemment euh, très impressionné d'avoir à parler ici devant euh, dans, dans ce lieu qui est un lieu quand même assez magique et d'une très grande euh, renommée. Je vais faire présenter mon, mon exposé Il va avoir euh, trois parties euh, peut-être inégales. Enfin, je vais voir un peu comment les, les choses euh, tournent. Dans la première partie, je vais faire une petite partie au tableau noir euh, pour essayer d'introduire les concepts de, de base, les idées de base qui vous permettront de suivre euh, le, le reste. Il y a des choses, euh, euh, il faut comprendre l'esprit, voilà. Euh, ce n'est pas toujours facile de le comprendre au fond, mais si vous comprenez l'esprit. Et dans la troisième partie, euh, je retournerai sur le tableau noir pour vous parler d'aspects qui sont en relation avec ce que je vous ai montré, mais qui ont, euh, 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 un, je dirais, une euh, incidence euh, pour les maladies euh, neurodégénératives. Donc, euh, euh, juste pour que vous compreniez un petit peu le, le, le sens de ma démarche. Il se trouve, je suis médecin de formation, ce qui évidemment est, est un hasard. Je n'ai jamais exercé la médecine autrement que sur moi-même, donc euh, je ne suis pas un bon médecin. Pardon, c'est dangereux, voilà. Et donc euh, euh, je ne suis pas. Et, et puis j'ai fait de la biologie, j'ai fait une thèse de science en même temps. Je suis arrivé à l'École normale où il y avait un milieu un peu euh, euh, très scientifique. J'ai monté un institut à l'École normale qui a été un institut de biologie, mais qui était de biologie très fondamentale et j'ai eu la chance euh, d'interagir avec des physiciens euh, du département de physique, de physique statistique, etc., et ce qui a fait évoluer euh, ma recherche. Donc ma recherche est une recherche que je qualifierais euh, d'opportuniste, euh, et j'essaierai de vous faire euh, partager ces moments, ces opportunités. Voilà. Donc euh, euh, le, 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 système, euh, le système nerveux, euh, vous connaissez tous... Euh, euh, ce que c'est, c'est euh, ce qui se passe dans la boîte crânienne. Ça, ce que je vous dessine là, c'est un, un cerveau avec ici le tronc cérébral et puis euh, la moelle épinière. Et ce cerveau, il reçoit euh, des informations. Ça, c'est un œil. Voilà. Ça, c'est un œil qui regarde par là. Donc, il reçoit des informations. Et puis, ces informations sont traitées dans diverses régions du, du cerveau. Et euh, pour traiter euh, ces informations dans le cerveau, et après ça, Ici, par exemple, on montre quelque chose de très désirable, moi je ne sais pas, moi, un objet dont on a très envie. Et donc, euh, il va commander ici des neurones moteurs qui vont commander la main qui va aller saisir l'objet dont on a envie. Vous voyez, c'est simple, un système nerveux. Hein donc voilà, ça c'est le système nerveux. Et pour faire cette opération, euh, somme toute, euh, assez simple, euh, il faut une machinerie euh, qui est assez euh, compliquée. Cette machinerie qui est assez compliquée, on a tendance à penser ça un peu comme un réseau de, 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 de connectés et que ce réseau connecté va faire des, des actions un peu comme dans, un, euh, comme dans une machine électronique avec des, des connexions électroniques. En fait, vous allez voir, c'est beaucoup plus euh, compliqué, enfin, ou plus simple, enfin, ça dépend comment est-ce qu'on conçoit la chose. Donc ça, c'est le système nerveux. Alors pour faire ça, il y a des neurones. Et euh, les neurones, euh, ce sont les cellules nerveuses entre autres, qui assurent euh, euh, la, com la communication. Et donc, euh, un neurone, c'est une cellule, donc je vous en dessine une qui est ici, voilà, euh, une forme un peu bizarre, on va revenir sur cette forme du, du neurone, et puis, elle a un prolongement qui est assez long, ça, il y a le neurone qui est ici, c'est ce que je vous dessine là, c'est le neurone qui est là, voilà, il a un prolongement qui est assez long, et ce prolongement qui est assez long, il va permettre la propagation du signal. Et puis, ça va aller se connecter sur un autre neurone qui est là, un peu le même. Et donc, ce même neurone qui est là, vous allez en voir des vrais tout à l'heure, hein. vous verrez que mes dessins ne sont pas, sont pas très jolis, je ne suis pas joli, joli. Hein. Et donc, ici, ça se communique au niveau d'une région particulière qu'on appelle la synapse. C'est de ça dont je vais vous parler. C'est de cette petite région. De communication qui est ici, et vous allez en comprendre l'extrême importance au cours de cet exposé. Alors, des synapses, il y en a de deux sortes il y a les synapses qui excitent, font d'excitation, et puis il y a les synapses, ça, par ici ça fait une excitation, et puis là vous allez par exemple activer un autre neurone qui lui va faire de l'inhibition. Et là vous voyez deux choses la première, c'est que cette cellule, elle va pouvoir faire la somme des excitations et des inhibitions. C'est ce qu'on appelle l'intégration neuronale. Donc ça fait la somme des excitations et des intégrations. Et puis quand ça arrive à un certain seuil, donc il y a des excitations, il y a des inhibitions qui vont dans l'autre sens, puis quand ça arrive à un certain seuil, ça déclenche ici la même chose que ce que vous avez là, qui est un potentiel d'action qui va se propager. Donc vous avez ici une des premières propriétés importantes, c'est la capacité de faire des intégrations. Et là vous voyez ce que j'ai décidé là, vous voyez autre chose qui est très important. J'ai décidé que ici vous avez une activation, là ça active et là ça inhibe. Et donc ce que je vous ai dit ici là, c'est un micro réseau avec ce qu'on appelle une rétroaction inhibitrice où il va y avoir. Et donc on peut complexifier ces réseaux. Bien entendu, ces réseaux peuvent être extraordinairement euh, compliqué. Donc ça, c'est l'intégration de l'excitation et de l'inhibition. Là, l'élément de base, c'est ça, c'est la synapse. Et la synapse, ça marche comment Il y a peut-être un effaceur quelque part. Ah oui, voilà. Donc le cerveau, vous avez compris. Vous avez compris tout le cerveau, donc je peux l'enlever. Voilà. Ça marche comment Vous avez ici, ça je grossis beaucoup, beaucoup, hein, là, ce truc-là. Ce que je grossis, c'est ça. Et en face, vous avez l'autre cellule. Et ici, dans cette cellule, dans cette partie-là, qu'on appelle la synapse, vous avez des vésicules, des dizaines de vésicules, une centaine de vésicules, qui contiennent le neurotransmetteur. Ça, c'est des mots que vous connaissez. Et le neurotransmetteur, il va pouvoir sortir grâce à une machinerie que je vais vous présenter très rapidement tout à l'heure, dans cette région, et se lier sur des récepteurs qui sont en face. Et en se liant sur les récepteurs qui sont en face, ça va pouvoir transmettre le signal. On voit donc qu'on a une transduction d'un signal électrique, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, en un signal chimique, la transmission et la liaison, et qui va donner un signal électrique qui va être pouvoir être excitateur ou inhibiteur. Donc ça c'est la machine de transmission. Et donc on comprend intuitivement que si ici on a de la chimie, on va pouvoir agir à ce niveau-là. Eh bien il faut que vous sachiez que euh, à peu près, je dirais 60% du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique de manière générale, c'est là que ça se passe. Euh, parce que c'est là qu'il y a tous les tranquillisants, les, 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 les anesthésies, enfin une partie des anesthésiques, euh, les médicaments antipsychotiques, tout, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, c'est sur ce système-là que ça se passe. Ça vous montre quand même que c'est en tout cas économiquement euh, important. Il y a une autre propriété qui est très importante. Donc, je vous ai parlé de l'intégration qui se passe ici, mais là, vous comprenez également intuitivement que si ici j'ai quatre récepteurs, je vais avoir une force égale à 4. Et puis si j'en rajoute 2, je vais avoir une force égale à 6. Et si j'en enlève 3, euh, euh, 1, je vais avoir une force égale à 3. Et donc vous avez compris qu'on peut régler la force de la transmission en changeant le nombre de ces récepteurs qu'on a ici. Eh bien, si ça c'est l'état de base, ici, si on a réussi à passer à 6, je vous montrerai comment on peut le faire tout à l'heure, et qu'on reste à 6, eh on peut dire que le système, il a appris. Et puis, si on est passé à 3 et qu'on reste à 3, on a, on a désappris, enfin, on a oublié. Donc, on appelle ça une potentiation, et ça, c'est une dépression. Voilà. Donc, vous avez là compris les bases de la biologie cellulaire euh, des neurones. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est le rôle de ces changements, comment ça change, dans un contexte de biologie cellulaire. Euh, moi, j'utilise beaucoup de, de vieux concepts et de vieilles choses. Hein. Vous verrez, euh, l'histoire ne s'est pas faite dans les cinq dernières années. Euh, des fois, il y a des choses qui sont anciennes, qu'on reprend, etc. Et dans les années. Ce que vous avez là, ça, c'est la membrane hein, du neurone. Vous avez compris, ça, c'est de la membrane. Ça, c'est de la membrane. Tout ça, c'est des membranes. Et dans les années 70, il y a un, un groupe de, de biologistes, qui deux biologistes assez célèbres, qui s'appelaient Singer et Nicholson. Je n'ai pas besoin d'effacer là. Je peux le faire ici. Et ils ont développé un modèle de la membrane qui était le modèle de la mosaïque fluide. C'est quoi une mosaïque fluide Je vais vous dessiner un bout de membrane. Donc, ça, c'est un bout de membrane. Je vais essayer de faire le truc en perspective. Je ne suis pas un très bon dessinateur. Voilà. Ça, c'est un fragment de membrane. La membrane, elle a plusieurs elle a deux, feuillets, elle a deux feuillets. Et les, les molécules, comme celles que je vous ai représentées, sont au travers de la membrane. Et puis, ici, là, elles apparaissent en surface, mais elles diffusent. Là, je vais dessiner une trajectoire. Et le mouvement qui se, qui, qui se passe ici, c'est un mouvement qui est un mouvement brownien. Et là, vous comprenez qu'il y a un paradoxe. Euh, et c'est ce paradoxe que je vais essayer de, de traiter devant vous, enfin, dans la deuxième partie des diapositives que je vais vous présenter, qui est comment peut-on faire de la mémoire stable si les éléments qui constituent sont dans un environnement qui bouge. Et euh, c'est assez compliqué parce qu'il y a bien des molécules qui sont en dessous, ici, qui servent à accrocher. Pour pas que ça bouge de trop, mais ça reste accroché pas longtemps. C'est ce qu'on appelle la fiche, c'est dû à l'affinité, à une des propriétés chimiques qui fait que ça va rester accroché pendant 10 minutes, une demi-heure. Mais enfin la mémoire, on sait que ça peut durer beaucoup, 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 beaucoup plus longtemps. Donc comment fait-on pour faire de la mémoire dans un système où tout bouge Je vais revenir sur ces points dans quelques instants, et puis je vais essayer de vous montrer également la. la la, la, la grande complexité dans laquelle on est, et comment par le réductionnisme euh, on arrive à, à, à traiter des questions euh, assez fondamentales, et comment est-ce qu'on arrive à émerger dans des mécanismes fondamentaux qui sont en relation avec des pathologies. Donc, comme c'est là où j'oublie, j'essaye de ne pas oublier que je suis médecin euh, de formation. Voilà. Mais enfin, ça vous allez voir, c'est quand même assez loin. Hein. Mais ça ouvre euh, de manière euh, assez euh, intéressante, ça ouvre des perspectives thérapeutiques que j'essaierai de vous, de vous illustrer. Donc euh, l'idée que euh, le système nerveux, oui, un, un petit peu, que le système nerveux est composé de, de, de neurones, euh, ça date euh, de, historiquement, ça a pris son essor plutôt euh, au tout début du XXe siècle. Et c'est un, un personnage tout à fait extraordinaire qui a un niveau de citation. Attendez, comment marche ce truc Qui a un niveau de citation euh, euh, extrêmement important, qui s'appelle Ramón Nicarral. <coughs> Ramón Nicarral était un, un histologiste euh, euh, espagnol euh, qui a une contribution, mais qui est phénoménale. D'abord, il écrivait extraordinairement bien. Euh, tous ses textes ont été traduits en français, de l'espagnol en français. Le français était la langue. Euh, des savants avec l'allemand à cette époque-là. Il a eu le prix Nobel dans les années 1905, 1906. enfin c'était la grande époque quoi que vous connaissez tous. Et ce qu'il a découvert grâce à une technique d'imprégnation argentique, c'est qu'il avait que les neurones étaient des entités individuelles qui pouvaient être connectées les unes aux autres. Il y a toute une histoire derrière ça, je ne rentre pas dans les détails. Donc Première découverte, euh, l'utilisation d'une technique d'imprégnation argentique pour voir les neurones, comme vous le voyez ici. Et il a dit d'ailleurs, euh, je puis pour la première fois admirer ces formidables coupes de cerveau imprégnées selon la méthode argentique du savant de Pavie. Alors, il nomme jamais Camillo Golgi parce que c'était son ennemi. Euh, il s'aimait pas du tout. Ils avaient des théories qui étaient opposées. Alors, il disait le savant de Pavie. Euh, et, il avait tout un tas de, 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 de manières de, de ne pas le nommer. Tout était dessiné à l'encre de Chine, ça fait des images un peu comme ça. Au fur et à mesure que de nouvelles images apparaissaient dans mes préparations, de nouvelles idées me venaient à l'esprit et une fièvre de publication m'enflamma. Voilà, j'ai quelques tirés à part, ils sont extraordinairement écrits et en plus c'est écrit de manière narrative, ce n'est pas écrit de manière bête comme on écrit maintenant. Il dit j'ai lu tel papier, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que j'ai lu, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord, enfin voilà, c'est très agréable à lire. Une des autres découvertes qu'il a fait, c'est que les neurones, ces cellules nerveuses, peuvent avoir des tas de formes différentes. Alors là, vous reconnaissez très bien le neurone que je vous ai dessiné là, ou celui-là. Vous voyez, ça, c'est le corps cellulaire, comme on l'appelle. Ces prolongements-là qui reçoivent l'information, c'est les dendrites. Et ceux qui émettent, qui sont peu, peu visibles ici, vous en voyez un ici, c'est l'axone qui va vers une autre cellule. Et donc, vous voyez plusieurs choses. D'abord, que ces ils peuvent avoir des tailles et des formes très très différentes, et ça provient de la région qui est ici. Alors, il faut que je mette mon compte minute, parce que sinon je dépasse toujours. Déjà, j'ai gagné un peu de temps ne le mettant pas. <laughs> voilà. Et il a fait un autre travail tout à fait extraordinaire. Il a compris quel était le sens de la propagation de l'influx nerveux. Et il a réussi à faire ça. Oui, il y a ces petites flèches. Et ces petites flèches, c'est quelque chose de vraiment tout à fait extraordinaire du point de vue épistémologique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces petites flèches, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais comment a-t-il pu faire ça Eh bien, il s'est dit, on va aller là où c'est la, la, la fin du système nerveux. Alors, il prend un organe d'essence, la rétine, par exemple, ou le, le système auditif, et puis il dit, ben, si dans la rétine, voilà, ici, c'est des exemples de rétine, hein, la lumière, elle est vue ici par ce qu'on appelle ici des, 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 des bâtonnets. C'est l'endroit ultime, donc ça ne peut pas venir dans l'autre sens, donc ça va nécessairement aller dans ce sens-là. Et puis, de fil en aiguille, il déduit, à partir de la forme, quel va être le sens de la propagation de l'influx nerveux. À la même époque, il y a un physiologiste qui s'appelle Sherrington qui a travaillé là-dessus, mais ils se sont jamais vus, jamais connus. Et d'ailleurs, euh, euh, ils n'ont jamais interagi, ils n'ont même pas employé le même vocabulaire. Donc il y, a, il y a un travail qui est tout à fait extraordinaire qui lui a permis. De, 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 alors il a reconnu les divers éléments, les dendrites dont je, que j'ai évoquées. Vous avez besoin de, de, de vous souvenir d'aucun nom, vous avez quand juste besoin de, de, de comprendre un peu le concept. Voilà. Les axones que je vous ai montré les synapses dont je vous ai parlé, et puis euh, des tas de formes de synapses différentes. Et ici, vous voyez un exemple d'une région qui est très importante, qui s'appelle l'hippocampe, qui est impliquée dans l'apprentissage dans le système nerveux, et il dessine complètement, non seulement, les types cellulaires, en les mettant euh, ben, bout à bout, mais il comprend également le sens de propagation de l'influx nerveux, et chose extraordinaire, il n'y a virtuellement dans tous ces schémas aucune erreur sur le sens de la propagation nerveuse, et alors qu'il n'y avait aucune physiologie. Euh, euh, donc c'est un travail tout à fait euh, exceptionnel. Et voilà, bon, ici je, je vais très rapidement, donc il comprend comment est-ce que les choses se propagent là-dedans, voilà, bon j'ai peut-être un peu exagéré en mettant cette diapositive. Alors, il y a une chose qui est tout à fait incroyable aussi dans le travail de Ramon Cajal. Cette technique colore un neurone sur 1000 à peu près ou un neurone sur 100. Euh, il regardait au microscope et il dessinait. Et il y avait deux manières de dessiner, soit avec un système qu'on appelle la chambre claire qui consiste à dessiner, en, on voit sa main dans le microscope, soit de mémoire. Donc en fait il regardait ses préparations, il rentrait à la maison et puis il décidait ce qu'il avait vu et à partir de ces dessins on peut retrouver les plaques originales les préparations originales à partir desquelles il a dessiné on me les a montrées moi j'en ai vu quand j'ai visité le, le musée qui lui est consacré qui n'était pas facile d'accès d'ailleurs voilà. et, euh, et, et il a combiné plusieurs parce que ça il n'a pas eu ça sur une. pardon il n'a pas eu ça sur un truc ça s'est fait à partir de plusieurs, euh, plusieurs plaques, donc c'est combiné. Enfin, voilà. et on sait que ce neurone-là, on va le retrouver dans telle préparation, et tel autre neurone, on va le retrouver dans une autre préparation. Et puis, il a fait une synthèse. Donc, c'était un esprit, quand même, qui était assez euh, exceptionnel. Il a écrit une biographie. Qui est... Voilà, donc ça, c'est du type cellulaire. Je vais vous passer ça en vitesse. Et donc, je vous dis, on colore un neurone sur mille. Donc, imaginez qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus. Donc, c'est incroyablement compliqué. Et je vais vous montrer ici quelques images. Euh, voilà. Ici, ce que vous voyez, on a pris un petit morceau. Ici, ce n'est pas moi, hein, c'est ces gens-là qui ont fait un, papier, un article extraordinaire. On prend un petit morceau de cortex ici, qui fait 45 microns sur euh, euh, 7 par 5 par 7 par 5. Et on fait 1000 coupes. Et pour faire les 1000 coupes, on utilise un microscope, un truc très particulier, où on, on fait les coupes dans le, 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 le microscope et on visualise ici les électrons rétropropagés. Voilà, on enlève un morceau. Et puis on fait la coupe suivante, et on en fait 1000 d'affilée, et puis voilà ce qu'on obtient. Donc, ça, c'est toutes les coupes qui se suivent. Et évidemment, on peut reconstruire à partir de ça. Alors, euh, maintenant, on sait le faire de manière automatique, enfin presque automatique, semi-automatique, ce qui veut dire que, bon, il vous faut, pour reconstruire ça, comme vous le voyez ici en semi-automatique, il vous faut 4 ou 5 postdocs qui travaillent. Hein. Pas, ça ne se fait pas en un coup euh, euh, rapidement. Et euh, là, vous voyez que est de, qu on est quand même dans un monde qui est extrêmement compliqué. Je veux dire, là-dedans, vous avez tous ces petits prolongements, vous avez ces, tous ces axones, toutes ces régions ici, les bouts de d'endrite, vous voyez, le dendrite qui est là, et voilà une reconstruction euh, tridimensionnelle. Cette reconstruction euh, tridimensionnelle euh, représente un euh, euh, centième de millimètre cube, je l'ai noté, hein, euh, et c'est euh, 1 sur 300 millions pour le volume du cerveau du rat. Hein, C'est-à-dire que si vous voulez reconstruire euh, l'ensemble, c'est 300 millions de fois ça. Et là ici, c'est une manière éclatée de le représenter. Donc vous voyez qu'on a quelque chose qui est très euh, compliqué, et ce truc très compliqué ici ne représente que cette petite région que vous voyez là. Donc c'est un problème. Il y a une tendance aujourd'hui à laquelle je n'adhère pas, qu'on appelle la connectomique. Qui consiste à essayer de reconstruire complètement en pensant que si on reconstruit complètement, on va comprendre comment ça marche. Euh, je n'y crois pas un seul instant, mais par contre, ça permet de dériver des règles de construction et des règles d'organisation. Juste pour que vous ayez eu dit, il n'y a pas que des neurones dans le système nerveux. Il y a euh, euh, des neurones. Dans un cerveau humain, il y a à peu près 10 puissance 11 neurones. Et puis, il y a des cellules gliales qui sont aussi nombreuses que les neurones et qui servent à faire marcher la machine. Je ne rentre pas dans les détails du tout ici. Juste ce chiffre que vous avez là, c'est grosso modo le, le nombre de... Euh, enfin, c'est de l'ordre euh, du nombre d'objets célestes qu'on dit pouvoir trouver dans la galaxie. Donc vous voyez qu'on a un grand euh, nombre. Et ce grand nombre... De, de neurones, il tient dans un volume qui correspond à deux bordelaises. Un litre 5, c'est grosso modo le volume du système nerveux, un litre 4, un litre 5, du un litre 3 du système nerveux plus la moelle épinière. Donc dans deux bordelaises, vous avez 10 puissance 11 neurones. Ces 10 puissance 11 neurones forment à peu près, parce qu'il y a un très grand nombre de contacts, tout ça est très bifurqué, fait beaucoup de contacts, comme vous l'avez vu ici, il y a à peu près 10 puissance 15 synapses dans un cerveau euh, humain. 10 puissance 15 synapses, si vous faites euh, l'estimation euh, qu'il y a euh, euh, sur la Terre euh, à peu près 6,5 euh, 10 puissance 9 euh, habitants, ça veut dire qu'on a, grosso modo, 6,5 10 puissance 24 euh, synapses dans toute l'humanité. Toute l'intelligence tient là-dedans, c'est-à-dire que c'est 10 fois euh, le nombre d'Avogadro. Et si c'était... Euh, euh, chaque synapse, euh, une molécule de gaz euh, parfait, euh, tout ça tiendrait dans 10 mètres cubes sans avoir à rien comprimer. C'est-à-dire, grosso modo, une petite piscine. Voilà, ça c'est euh, tout le genre, toute l'intelligence humaine tient dans une piscine. Non, mais c'est une plaisanterie, hein. c'est le, le plaisir des nombres de alors, temps en temps. Pardon C'est pour ça qu'on y, qu y va dans les piscines. Oui, voilà. <laughs> Donc, mais alors maintenant, pour comprendre comment ça marche, euh, euh, je vous ai dit, il y a des neurones, des cellules gliales, des synapses, euh, des molécules, on va y venir tout à l'heure. Euh, tout ça forme des réseaux. Euh, ces réseaux des, des, peuvent être résolus en termes de graphes. Il y a des questions de topologie, des questions de nombre. J'ai essayé de vous en donner un petit exemple comme ça, en, en rigolant. Ça, c'est un dessin original de Carral. Vous voyez ça vient d'une de ses préparations. Et ça, c'est un autre dessin qu'il a fait avec. Des détails cytologiques et c'était très joliment fait. Il voulait être peintre au départ. Et alors, son, il voulait être peintre et son père, il se levait la nuit, il faisait de la peinture, c'est un enfant très dissipé. Et son père lui a dit ben Écoute, on va faire venir le peintre, il vient au village pour faire des restaurations dans l'église. Il va dire si tu es doué ou pas, si tu n'es si pas vraiment doué. si dit que tu es doué, tu pourras, sinon, non. Et alors, ce qu'on ne lui a pas dit, que c'était un peintre en bâtiment, et que le peintre en bâtiment lui a dit qu'il fallait qu'il dise qu'il n'était pas doué. Alors, son père, et, finalement, son père, qui était chirurgien barbier, l'a incité à faire des études de médecine. Voilà. Donc, mais c'était un très bon dessinateur. Et pour comprendre ça, il faut de la biologie de base, de la chimie de la physique, je vais essayer de vous en montrer un petit peu tout à l'heure, de la modélisation, je vais essayer de vous en montrer, des mathématiques, des mathématiques, je vous en montrerai pas. D'abord parce que ici je me méfie quand même, euh, euh, et, et puis euh, je me suis déjà fait avoir une fois dans un truc, donc euh, je ne veux pas le recommencer. Ce... Voilà. Alors donc voilà ici le, 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 ce, ce sur quoi on va ce à quoi on va s'intéresser, c'est les synapses, c'est-à-dire comment ça communique. C'est-à-dire une toute petite région qui fait à peu près un, un micron de diamètre. Vous avez compris que c'est tout petit hein, dans l'ensemble. Hein. Et puis les molécules, certaines molécules qui les composent. Alors la synapse, c'est une machine euh, euh, plus compliquée que ce que je vous ai dessiné. Mais grosso modo, c'est ce que vous voyez ici. Là, vous voyez une image que j'ai faite en, en, en 1981. Euh, C'était une des premières images où on voyait l'ouverture d'une vésicule ici, qui libère son transmetteur, qu'on ne voit pas, c'est de la microscopie électronique, évidemment, dans cette région, euh, euh, là où se fait la transmission. Et c'est ce que vous voyez ici, sur ce schéma, euh, qui apparaît, qui est décidé, évidemment, bien plus tard. Et avec les récepteurs qui sont en face, et puis ici, tout un tas de phénomènes biologiques, et ici, rien que pour faire cette ouverture, il faut une machinerie moléculaire très compliquée, que je vais juste évoquer avec vous pendant un instant, et il faut cette machine moléculaire compliquée, parce qu'il faut que l'ouverture, ne se fasse pas n'importe quand. Il faut qu'elle se fasse quand il y a ici l'activité euh, qui s'est propagée et qui permet la libération du transmetteur. Cette libération que vous avez ici, elle est liée à l'activité. Donc il faut un système qui permette de faire ça. Et juste, je vous montre la reconstruction d'une seule de ces vésicules et vous allez voir que voilà à quoi ça ressemble, une vésicule. C'est très, très, un autre magnifique travail qui a été fait avec de la reconstruction moléculaire. Le nombre de molécules qui est représenté ici est à l'échelle. C'est probablement le bon nombre de molécules. Et vous voyez que pour rien que pour faire ce petit machin qui va libérer du neurotransmetteur, il faut une organisation moléculaire très complexe. Et ici, c'est une coupe. Et le transmetteur, il est à l'intérieur de ce petit sac que vous voyez ici. Donc c'est juste comme ça quelques petites illustrations pour que vous compreniez la physiologie qui apparaît je crois sur la diapositive suivante. Comment est-ce que j'ai fait mon truc Ah oui là c'est le nom des molécules on s'en fiche. Voilà et donc qu'est-ce qui se passe dans cette région J'ai repris toujours ce dessin de Caral ici sur une synapse il y a le potentiel d'action qui est ceci qui arrive. Qui dépolarise, les ions calcium rentrent, et donc on a une action, ouverture du canal, diffusion des ions calcium, et puis l'ouverture des vésicules, et puis libération du transmetteur qui active les récepteurs qui sont en face. Donc on a une petite séquence. Alors là je peux vous dire qu'il y a grosso modo pour ce truc aussi simple, il y a cinq prix Nobel. Donc ça ne pas c'est très résumé, hein, comme vous pouvez vous imaginer. En, en 1985, euh, en collaboration avec un groupe qui est un groupe en Allemagne, qui est un groupe d'un ancien postdoc euh, de Jean-Pierre Changeux, et Jean-Pierre Changeux m'a dit ah, ⁇ Tu travailles là-dessus, va voir ce postdoc, il est à Francfort, à Heidelberg. ⁇ À l'époque, j'ai été le voir, et euh, grâce à des anticorps qu'il avait développés, qu'est-ce qu'on a vu On a vu pour la première fois que les récepteurs sont accumulés. Dans cette région ici, avant, on ne le savait pas. On a vu une vague idée avec la jonction neuromusculaire, mais on ne le savait pas. Et donc, on a vu les récepteurs. On a vu que les récepteurs sont stabilisés par des molécules qui sont en dessous. Et je vais revenir sur cette structure ici qui comprend les récepteurs et les molécules qui stabilisent. Et voilà, c'est ce qu'on a ici. Donc, voilà un neurone. Chaque point rouge, c'est une synapse. Et puis les jaunes vertes, ce que vous avez de vert en face, ce sont les récepteurs. Et donc on voit qu'on a une structure très hétérogène de la membrane. Et puis il y a une machinerie moléculaire, ça c'est un récepteur, il y a une machinerie moléculaire qui va stabiliser le récepteur ici. Le concept de stabilisation, vous allez le voir, n'est pas un concept simple, euh, euh, contrairement à ce qu'on peut croire. Et je me suis posé tout de suite la question si les récepteurs sont là où il faut, Comment ont-ils fait pour y arriver Et cette question, euh, j'ai utilisé des trucs de biologie cellulaire, en mettant des, ce qu'on appelle des étiquettes moléculaires. Et je concluais dans l'article, c'est en, en 2001, donc ça, ce que je vous ai montré, les récepteurs, c'était il y a 35 ans. Et puis 16 ans plus tard, oui, il m'a fallu quand même 16 ans quand même pour arriver à la diapositive suivante. Hein. Donc il y a eu des petites choses entre-temps quand même. Hein. Voilà. Et donc, je disais que la, la, cette localisation, où le récepteur, il peut soit se, se, se mettre à l'extérieur ici, et puis diffuser dans la membrane, je vous ai parlé tout à l'heure de la membrane comme étant un, un lieu, de, de, comme un fluide, comme un liquide, et ou bien être inséré directement là. Et on a vu que c'était inséré à l'extérieur, et donc j'avais marqué la localisation résulte de la diffusion dans la membrane plasmique, c'est-à-dire dans ce truc-là, ce qui. Euh, 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 ça, veut dire, ça veut dire que les clusters qu'on avait ici, les agrégats, c'était des intermédiaires entre des choses nouvellement synthétisées et les récepteurs synaptiques qui étaient accumulés. Et ça supportait l'idée d'un système de diffusion-rétention pour la formation de ces structures. Et non pas un système d'intégration vectorielle, de ciblage vectoriel. Ceci a des conséquences, vous allez le voir, euh, extrêmement importantes. Et donc, j'étais là-dessus. J'avais mon copain Daniel Choquet à Bordeaux, euh, euh, que j'avais connu quand il était à Paris et on était devenus amis. Il était revenu des États-Unis avec une technique de pince optique et de, euh, de pince optique avec des billes, avec des billes euh, de latex. Et donc, on a collé les billes de latex. On a vu qu'il y avait effectivement une diffusion, mais c'était assez frustre. Et puis, un jour, un, un samedi matin, euh, j'étais dans mon laboratoire, et il y a un physicien avec qui j'avais collaboré, euh, Vincent Hakim, euh, euh, qui était dans le... Euh, non, c'était David Ben Simon euh, du département de, de physique statistique à l'école. Et puis, euh, il me téléphone, il me dit, il y a un jeune gars qui revient de postdoc, c'est un physicien, il voudrait faire de la biologie, ça l'intéresserait, etc. Je lui dis, bah, qu'il vienne me voir. Il vient me voir, et pendant que je discute, euh, avec lui, je me rends compte qu'il avait fait son postdoc dans le laboratoire, pour, euh, où, euh, qui a été à l'origine d'un article qui était sur mon bureau depuis 15 jours, et je me disais, mais comment est-ce que je vais pouvoir utiliser ce truc Donc c'est un truc tout à fait par hasard, euh, euh, qu'il s'agissait d'un euh, garçon qui s'appelle Maxime Dahan, euh, euh, qui est malheureusement décédé de manière tragique euh, cet été, et avec lui, on a développé un outil qu'on s'appelle des boîtes quantiques, euh, qui sont des, euh, des composés euh, inorganiques. Et ici, vous, vous en voyez qui sont accrochés sur euh, un récepteur. Donc c'est assez petit, ça fait une dizaine de nanomètres de, de diamètre, entre 5 et 10 nanomètres. Et vous voyez que ça diffuse. Et puis, ce que vous n'avez peut-être pas vu ici dans l'image, parce que je la repasse pour que vous le voyez, ici, il y en a un qui arrive, paf, il reste un certain temps, et puis il diffuse. Et puis là, il va se séparer, il va échapper à cette attraction, et il va aller vers celui-là. Donc, on avait un système où d'abord, on pouvait le localiser très, très précisément en utilisant un truc d'optique euh, très banal maintenant, mais qui à l'époque n'était pas aussi banal, où on pouvait déterminer avec une position, précision de quelques nanomètres la, la localisation de l'objet, et puis on pouvait le suivre. Et là, on avait ce fameux mouvement brownien euh, qu'on a vu en direct euh, pour la première fois dans la membrane, et puis ce comportement de stabilisation transitoire au niveau de cette région. Et donc on pouvait après ça caractériser ça du point de vue physique. Donc vous voyez qu'on était rentré déjà dans un domaine totalement nouveau, euh, assez inattendu pour nous, c'est-à-dire que ce qui semblait être une structure stable, en réalité c'était quelque chose euh, d'éminemment euh, variable. L'autre phénomène qui, était, qui est apparu, donc je, là je vous résume beaucoup beaucoup d'articles, c'était que ce phénomène physique de diffusion capture était régulé. Par le calcium, dépendait du type de récepteur et utilisait toute une batterie d'enzymes qui permettaient de phosphoryler, de déphosphoryler. Je vous passe euh, euh, les détails de, cette, euh, de, ce, de cela. Là, vous voyez apparaître un, un, un concept qui m'est cher, c'est-à-dire qu'on a un processus physique de diffusion. Des mouvements browniens, un processus physique de diffusion, diffusion capture, ça s'accroche, etc. Et puis on voit que dessus s'exercent des régulations. Ça, c'est de la biologie. Et donc on est sur quelque chose qui est euh, de la physique avec des régulations euh, qui dépendent de, de, de dions comme l'ion calcium, par exemple. S'il si y a des régulations, ça veut dire que ces régulations peuvent être dérégulées dans certaines conditions pathologiques. Donc, juste quelques éléments encore sur une diapositive où j'ai fait le résumé, alors là, de beaucoup, beaucoup d'articles. Cette, régul... Cette diffusion capture que vous voyez ici, elle est régulée par l'activité du neurone, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc quand ce neurone va être plus ou moins actif, eh bien, ça va réguler ce processus par des processus de phosphorylation. Vous ne savez pas de quoi il s'agit pour la plupart d'entre vous, mais c'est un processus de modification chimique sur les molécules. Et puis, par des agents pharmacologiques que j'appelle des agonistes ou des antagonistes, ou des modulateurs allostériques, qui peuvent modifier cette captu la capture que vous avez ici, parce que ce qui est modifié toujours, c'est la capture. Et donc, c'est le frein. Et j'avais appelé ça, dans un article, « the break theory ». C'est-à-dire que la diffusion, c'est euh, l'énergie en quelque... Enfin, c'est une énergie thermique euh, qu'on ne contrôle pas, et ce qui est contrôlé, c'est l'élément qui va contrecarrer cette énergie thermique. On va y revenir dans, dans, euh, tout à l'heure sur comment peut-on la calculer et pourquoi c'est important. Et vous voyez ici qu'il y a tout un tas de molécules qui sont importantes, dont des molécules qui ont à voir avec le système immunitaire. Et euh, j'ai enlevé toutes les diapositives parce que c'est des trucs pour, pour, pour. Mais si le système immunitaire peut régler ça, on comprend que ça peut être régulé pendant euh, le sommeil, pendant la fièvre, pendant des réactions inflammatoires, pendant des tumeurs, etc. Et puis, ça peut être, le processus peut être dérégulé, je l'évoquerai un petit peu à la fin avec vous sur le tableau, euh, par, dans, des, dans des pathologies. Et alors, euh, j'ai inventé un terme, euh, le terme qui, qui, qui décrit enfin, comment ça se passe, c'est ce qu'on appelle la physiopathologie. C'est un terme assez classique. Et j'ai envoyé un article de revue et j'ai appelé ça physiopathologie. Je me suis dit, ça passera jamais. Quand le reviewer va voir ce truc-là, il va me dire Ou oh bien c'est une faute, etc. Corrigez-moi ça très vite. Et c'est passé. Alors, c'est passé il peut y avoir deux raisons ou bien parce qu'il a trouvé ça futé, ou bien parce qu'il ne s'en est pas rendu compte. C'est les effets de la méthode globale. Euh, euh, il a lu ça il n'a pas vraiment regardé le titre. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est passé. Donc, vous avez un processus qui est un processus où euh, euh, on a euh, des régulations qui changent ce nombre de récepteurs. Voilà. Et si on change ici ce nombre de récepteurs, comme je vous ai dit, bah, ça a des effets soit sur la mémoire, soit sur l'oubli. Maintenant, on va essayer de passer sur des choses un peu plus scientifiques, si je puis dire. Si vous regardez ici, ça, c'est des neurones qui sont dans le fond d'une culture. Et puis, ce que vous voyez en rouge, c'est les synapses. Et en vert, ce que vous voyez, c'est un petit nombre de récepteurs, un, un sous-groupe de récepteurs qu'on a marqué avec des boîtes quantiques. Et euh, vous voyez que ça bouge tout le temps. Là, ça n'est pas accéléré. C'est ce que l'on voit directement quand on regarde dans le microscope. Donc déjà, c'est très très impressionnant quand les étudiants voient et qu'ils arrivent et qu'on leur montre ça et qu'ils voient que dans le microscope ce qu'ils croyaient être stable quand c'est marqué dans des conditions, c'est vivant là. Quand, euh, 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 ils voient que ça bouge en permanence. c'est toujours un, un émerveillement. Et donc la question, c'est avait été posée. Déjà, avant même qu'on voit les récepteurs au synapses, en 1984, c'est-à-dire une année avant que je puisse démontrer leur accumulation, ça, la question avait été posée parce que les protéines, elles n'ont pas une durée de vie infinie. Ça a une durée de vie d'une semaine ou de dix jours ou de dix heures, enfin bref, beaucoup plus court que la mémoire. Et donc un très célèbre biologiste que vous connaissez tous, physicien qui a fait, qui a fait de la biologie, qui est Francis Crick, qui est avec Crick et Watson, les auteurs de la double hélice, euh, ils avaient dit comment stocker la mémoire dans le cerveau euh, si la trace est immune euh, euh, est relativement immune au turnover, c'est-à-dire au fait que les protéines sont échangées. Et il a dit one, euh, euh, un on est beaucoup plus incliné à penser à suggérer des modèles qui sont coopératifs en nature et où les molécules interactent de telle manière qu'elles peuvent être remplacées par du nouveau matériel. Une à la fois sans altérer euh, l'ensemble de la structure. C'est tout simplement euh, la phrase d'Épicure, euh, euh, le même homme ne se baigne jamais deux fois dans la même eau, euh, dans le même fleuve, pardon. Euh, euh, le fleuve reste le fleuve, mais l'eau change, et de toute façon, à t plus euh, une minute ou plus une seconde, ça n'est pas, évidemment pas le même homme. Euh, puisque, et voilà. Donc, euh, euh, c'est ce paradoxe. Euh, 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 qui m'occupe euh, maintenant depuis euh, 15 ans. Euh, en même temps, il y a un truc qui m'avait beaucoup intrigué, c'était one at a time. Parce que comment est-ce que euh, le, 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 le lieu, la, la synapse, peut savoir qu'il y a une molécule qui est sortie pour qu'il y en ait une nouvelle qui se rentre En réalité, c'est un phénomène probabiliste, euh, comme vous allez voir, mais ce n'est pas one at a time, c'est one sometime. Euh, voilà. Et avec une probabilité plus ou moins forte. Alors là... Il fallait qu'on résolve... Voilà, ici ce que vous voyez, c'est un morceau de dendrite, c'est-à-dire un morceau qui est ici, avec un, un récepteur qui est marqué, vous avez les synapses qui sont là, et puis vous voyez que ça diffuse, et puis ça rentre dans une synapse, ça en sort, puis ça va dans la suivante, et ainsi de suite. Et donc, on va pouvoir décrire ce mouvement, imaginez que vous êtes assis sur le récepteur, hein, et puis vous pouvez être dedans ou dehors. Euh, euh, de, euh, voilà, et donc on peut avoir des traces comme ça. Et donc, vous avez, par exemple, ici, là, vous êtes dehors, puis dedans, puis dehors, puis dedans, etc. Et donc, on va pouvoir analyser ce système-là. Mais comment se fait-il, si tout bouge, qu'on a des agrégats comme celui-là On a des agrégats, ça, c'est un neurone. Et vous voyez ici les dendrites. Ça, c'est les machins qui pendouillent là. Et vous avez ici les contacts synaptiques qui apparaissent d'une couleur ou d'une autre. Et donc, des choses qui semblent stables. Si vous regardez ça, avec cette résolution-là et non pas avec une résolution moléculaire, vous avez l'impression que c'est stable. Et vous avez l'impression que c'est stable parce que si vous regardez ici un grand champ et que vous regardez en, en fonction du temps la proportion de ceux qui sont dedans, vous voyez que cette proportion ne change pas tellement, mais qu'il y a du bruit. On va revenir sur ce bruit qui est un bruit très important pour l'apprentissage, comme vous le verrez tout à l'heure, enfin à la fin. Mais vous avez ici un bruit et le, le récepteur, la, 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 la moyenne, de ce qui est dedans semble ne pas changer quand on en regarde un, quand on les regarde un par un en probabilité de localisation. On dit que le système, grosso modo, on fait l'hypothèse que le système est ergonique. Et donc, euh, ça, c'était un premier... Et ça, si on est comme ça, si on a un système comme celui-là, ça veut dire que on va pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que le récepteur a une certaine probabilité pour être là, à un moment donné. Et là on entre dans ce qu'on pourrait appeler un domaine qui est classique, qui est la chimie. Et vous allez voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire de la chimie grâce à ce type de microscopie sur du tissu vivant. Donc, pourquoi c'est de la chimie Ici, vous voyez qu'on a un récepteur qui se balade dans la membrane. Vous avez deux synapses. Ce que vous voyez là, c'est la synapse qui est vue du dessus. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des endroits où ça colle et il y a des endroits où c'est des obstacles. Vous allez voir, ça va rentrer là-dedans, il diffuse. J'ai bien choisi ce film, quand même. Donc, là... Il va rentrer dans la cellule, il diffuse plus ou moins. Puis tout d'un coup, vous voyez, paf, il est collé. Mais il va rester collé qu'un certain temps. Ça, c'est ce qu'on appelle le k cest c'est-à-dire le temps d'accès. Et puis le temps, c'est le chaos, le temps pour sortir. Et donc, si on a accès ici au k et au k si on met le temps qui est ici, on a le récepteur qui rentre, il voit des obstacles qu'il gêne pour diffuser. Et puis de temps en temps, il voit quelque chose qui va le coller là, qui sont les protéines que je vous ai montrées tout à l'heure et puis euh, il va interagir un certain nombre de temps et si on peut mesurer la profondeur ici du puits de ce truc là à ce moment là on va connaître quelque chose qui s'appelle l'affinité c'est à dire c'est ce qu'on va pouvoir mesurer on va pouvoir faire l'équivalent de la chimie et comme je vous ai dit que ça pouvait être régulé par des drogues par l'activité etc ben, ça va réguler cette affinité d'une manière ou d'une autre alors pour faire ça on été obligé d'utiliser une autre technique euh, cette autre technique dont je vais vous parler maintenant a valu à leurs découvreurs euh, le, le prix Nobel euh, il y a euh, sept ans maintenant. C'est ce qu'on appelle la microscopie super résolutive. Alors de quoi s'agit-il Ici vous avez une synapse et on regarde cette molécule qui est là, qui est la molécule qui stabilise et on la regarde ici en fonction de, avec une fluorescence avec un très bon microscope. Mais si vous la mettez si vous l'éclairez de manière très particulière avec une molécule de fluochrome très particulière qui peut clignoter, vous allez voir les molécules une par une. Et quand elles clignotent, vous pouvez faire comme tout à l'heure le même truc que ce que nous, on avait développé quelques années auparavant, pour regarder avec une extrême précision, qu'on appelle la précision de pointage, là où est la molécule. Et en regardant ces images les unes sur les autres, on peut reconstruire une image à très forte résolution. Et là, vous voyez quelque chose qui est d'une autre nature maintenant. Comme on voit des petits points, on peut compter ces petits points. Donc, on se dit qu'on va pouvoir compter les molécules. Alors, ce n'est pas aussi simple que de compter les petits points, hein, parce qu'il y, y a la photophysique de, 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 de ces molécules qui sont là. Mais on va pouvoir euh, 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 compter des molécules. Et vous voyez que là où on croyait qu'on avait une distribution homogène, eh bien, elle est inhomogène, avec des sous-domaines à l'intérieur de cette structure. Ça, c'était une technique qui a été développée. Alors, nous, on a montré que vous pouvez compter les molécules. Et donc, si vous pouvez compter les molécules et mesurer les affinités, là, vous êtes vraiment en train de faire de la chimie. Parce qu'on peut appliquer la loi d'action de masse, enfin, un certain nombre de choses comme cela. Donc, voilà ici une image, ici, de cette région-là en fluorescence. Ça, c'est le maximum de résolution que vous pouvez avoir avec un microscope confocal ou un autre microscope équivalent. Et voilà ce que vous avez, une fois reconstruit, avec les hétérogénéités que je vous ai montrées. Pourquoi est-ce que je vous montre ça Parce que ce truc-là, qui pourtant est ce qui stabilise les récepteurs, lui-même n'est pas stable. Et vous allez voir ici, un, 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 euh, voilà, ici, c'est en fonction du temps, oui, c'est la même structure qui a été prise à différents moments. Euh, et vous voyez que, on a une réorganisation à l'intérieur de cette structure. Et là, vous voyez accélérer 15 fois, là c'est un peu accéléré, vous voyez l'accélération et vous voyez qu'en réalité ça bouge en permanence un peu comme une, comme une méduse, ce qui traduit euh, les changements dans les interactions moléculaires à l'intérieur de la structure. Donc maintenant, on a des outils qui nous permettent d'aller plus loin. Donc voilà ici euh, les, les récepteurs qui peuvent rentrer et sortir. Et on va pouvoir éventuellement calculer l'énergie qu'il faut pour lier pendant un certain temps les récepteurs dans une région donnée. Et puis accéder à des paramètres typiquement chimiques. Je, alors ne vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer dans ces, dans, dans ces détails-là. Euh, euh, alors comment est-ce qu'on fait On utilise une technique dérivée de la technique précédente. Et on regarde ici, ça ce que vous voyez là, c'est un contact synaptique, comme celui que vous avez ici. Donc ce contact synaptique, ce que vous voyez, c'est en face, vous voyez qu'il y a une densité ce que vous voyez Les traits que vous voyez ici, ce sont les récepteurs qui bougent. Donc il y a une technique qui nous permet de faire maintenant de la cartographie de molécules uniques, mais à haute densité. Et quand on fait cette technique à haute densité, alors les couleurs ici n'ont aucun sens, hein, c'est juste pour qu'on distingue les traces les unes des autres, pour qu'on ait une impression de, de, comment dire, de, euh, de grande agitation. Et euh, vous voyez que dans le niveau des synapses, il y a une accumulation. Et il y a une accumulation. Pourquoi Parce qu'elle reste euh, plus longtemps. Donc, on a maintenant un système où... On, alors, ça, ce que vous voyez là, c'est un dendrite. C'est très grossi. C'est un petit morceau qui est ici, très grossi. Euh, ça, ça fait la barre de calibration que vous avez ici sur cet élément, ça fait 200 nanomètres. Hein, donc, ça fait euh, un cinquième de micron. Donc, ça, ça fait à peu près, euh, dans le, comme diamètre, parce que c'est grossi là par rapport à ça, ça, ça fait à peu près 3 microns de, de diamètre, ce que vous voyez ici. Donc, c'est très grossi. Vous voyez les molécules qui gigotent. Euh, elles sont en train de diffuser dans un plan à deux dimensions et elles sont capturées ici de manière transitoire. Comme j'aime bien. Alors, pour que vous sachiez, l'histoire d'utiliser la précision de pointage pour déterminer où est l'élément, ce euh, euh, n'est pas, pas une nouveauté, hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, euh, euh, je crois même que Galilée avait déjà compris euh, cette relation qu'il y avait entre euh, la taille des étoiles et l'intensité lumineuse, et que ce n'était pas vraiment leur vraie taille qu'on voyait, c'était la diffraction dans l'atmosphère. Le, dans, dans le, dans Donc quand on a ça, c'est juste une des rares formules que je vais montré ici, voilà ici un bouton qui est actif, voilà les traces de récepteurs ce qu'on va regarder c'est non pas les traces elles-mêmes mais les pas qui sont faits par les récepteurs et on voit que ces pas dépendent d'un certain nombre de paramètres, ça c'est une équation euh, simplifiée euh, de Langevin et on voit ici qu'un des paramètres ici s'appelle euh, co co correspond au potentiel qui agit sur la molécule pour la capturer et puis il y a un certain nombre de paramètres qui sont liés à la friction ou à la viscosité dans laquelle vous êtes en train de diffuser. Donc, c'est un, euh, un système vous voyez, où, en regardant ce que l'on regarde, c'est ça, c'est-à-dire les pas que vous voyez ici, on peut, dans une région particulière, avoir accès ici à un potentiel. Et ce potentiel, c'est le potentiel de capture. Et donc, ça amène à repenser complètement la membrane du neurone. Vous voyez ici euh, un exemple ici, où on voit maintenant que la membrane doit être co de, comprise comme un champ statistique, où ici il y a un potentiel, quand c'est bleu c'est que ça bouge moins, ça bouge moins, la température est plus basse. Donc ici on peut calibrer ça en kT, enfin euh, de, euh, k c'est la constante de Boltzmann et T la température en, en, en absolue. Et donc vous voyez que maintenant il faut que l'on qu conçoive la membrane du neurone non plus comme un... Mosaïque de, de domaines de structure stable, mais comme un champ statistique où les molécules sont capturées. Et ce que l'on voit quand on regardait tout à l'heure et qu'on avait l'impression qu'il y avait des, des domaines, euh, euh, des taches rouges et des taches vertes, en réalité, c'était un, 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 un cliché, à un, moment, à un moment donné, la probabilité qu'avaient les molécules à être dans un endroit, à un moment particulier. Donc avec tout ça, on peut faire. De là, je vais être très bref ici. Je vais même sauter cette diapositive. Voilà. Juste, je vous montre cette autre diapositive qui est ici, où maintenant, on peut faire la relation entre la structure moléculaire. Donc, je vous ai sauté toute cette partie-là qui était un peu euh, ardue. On peut euh, faire des mesures de chimie thermodynamique en utilisant des techniques classiques de, de calorimétrie isotherme. Et puis, avec l'imagerie les, 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 moléculaire, avoir accès euh, aux constantes de dissociation, par exemple. Là, c'est avec diverses mutations, on peut avoir plus ou moins de des liaisons, plus ou moins efficaces. Et puis, on peut également accéder à des paramètres comme euh, l'entropie ou l'enthalpie des euh, interactions chimiques dans un système vivant. Donc ça, c'était une grande nouveauté. On va passer maintenant. En réalité. On peut penser qu'on a beaucoup compris de choses, mais en fait, on n'a pas compris grand-chose. On a compris que les molécules... Non, mais là, je ne vous parlais pas. Là, voilà. Ça va être un peu plus compliqué dans ce qui vient après, mais pas beaucoup, enfin, j'espère. Voilà, donc, on... on a un système dans lequel il est possible maintenant de mesurer, de faire des mesures. Euh, de... Quelles sont les énergies nécessaires pour maintenir la structure euh, Combien de temps ça va pouvoir rester, etc.? Et on a fait une manip qui était une manip simplette. Qu'est-ce qu'on a fait On a pris des, euh, des, des récepteurs et puis on les a exprimés dans des cellules qui ne sont pas des neurones, avec des protéines d'ancrage, celles qui stabilisent, euh, qui permettent les agrégats. Et on a vu un truc qui est incroyable. On a vu que quand on regardait en fonction du temps, je vous passe toutes les le nombre, au lieu de faire un agrégat de plus en plus gros à la surface de la cellule on faisait des agrégats qui grandissaient et puis tout d'un coup qui se stabilisaient à une certaine taille. Et ça, c'était bizarre parce que c'était totalement contre-intuitif. On s'attendait à ce qu'on allait avoir un, un, un agrégat de plus en plus grand et que cet agrégat de plus en plus grand allait finalement devenir comme un continent à la surface de la cellule et pas du tout. On avait des taches qui avaient une taille définie qui d'ailleurs était du même ordre de grandeur. Que ce que l'on a dans un neurone. J'attire juste votre attention sur un phénomène qui m'a frappé pour lequel j'ai aucune espèce de, 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 de aucune espèce d'explication de, de, aujourd'hui, mais c'est que si on regarde la taille de ces agrégats depuis les bestioles les plus petites jusqu'aux bestioles les plus grosses qui peuvent avoir des cerveaux beaucoup plus gros, des neurones beaucoup plus gros, des nombres de neurones beaucoup plus grands, on voit que c'est à peu près invariant. C'est à peu près tout le temps la même taille. Et euh, cette invariance-là, euh, euh, alors que tous les autres éléments euh, changent de taille, ça m'a beaucoup interpellé. Donc on avait fait des, de, des, des, des modèles en utilisant des équations de diffusion-réaction, etc. Parce que je ne vous, vous montre pas. Mais je vais vous montrer juste un autre modèle, très rapidement. Et donc dans cet autre modèle, on a fabriqué un système où on a les récepteurs et puis les protéines d'ancrage qui sont euh, euh, un modèle avec de, plusieurs couches euh, et puis des, des, des domaines. Et euh, ce qu'on euh, qu a essayé de construire, c'est un modèle qui tenait compte de ce qu'on appelait les potentiels chimiques, c'est-à-dire des gradients de concentration. Et quand on a fait ça, je vous le, on a donc regardé tous les paramètres qu'on pouvait avoir euh, euh, d'interaction et de potentiel chimique, on s'est rendu compte qu'en réalité, quand on changeait des concentrations, Ici, progressivement, on avait ce qu'on appelait une transition de phase. Et on fabriquait un cluster, un agrégat, qui avait une taille qui était à peu près définie, qui ne changeait plus. Ça, c'était un des premiers modèles qu'on a fait et qui nous a beaucoup frappé. Alors ça, on s'est posé la question, mais est-ce que c'est comme ça que ça se passe vraiment dans les neurones C'est-à-dire est-ce que c'est un, un, un quasi-équilibre comme ce qu'on pensait ici c'est une approximation parce qu'en vérité le système est hors équilibre. Et donc on a euh, ici utilisé euh, des paramètres que nous avions sur la diffusion latérale que je vous ai montré, la manière dont les récepteurs s'en vont, la manière dont des récepteurs arrivent, comment tout ça se polymérise. On a mis tout ça dans des petites formules pas trop compliquées. Euh, euh, et euh, euh, dans lesquels on pouvait intégrer euh, nos données de manière rationnelle dans ce modèle, c'est un travail que nous avons fait avec euh, Vincent Hakim euh, du département de statistique, euh, physique statistique à l'École normale. Et ce qu'on a vu, c'était que effectivement, le système finissait par se stabiliser avec une certaine taille, avec ici un bruit qui correspond aux molécules qui rentrent et qui sortent. Et souvenez-vous que tout à l'heure. Euh, au début de cet exposé, je vous ai parlé de ce bruit euh, que nous avions mesuré, qu'on a vu, euh, qui existe autour d'une certaine moyenne qui est relativement euh, stabilisée. Et ce bruit, euh, là je vais vous sauter cette partie-là, ce bruit, pourquoi est-il important D'abord parce qu'il nous permet d'avoir une estimation du temps où la structure va rester stable. Donc c'est cette réponse à ce paradoxe qui avait été posé par Francis Crick. Comment fait-on du stable quand tout bouge C'est parce que le système, en bougeant, va acquérir des états d'instabilité, mais au bout d'un certain temps seulement. Et juste, je vous montre ce petit modèle que j'aime bien, que très simplet. Voilà le bruit que nous avions. Ce bruit est dû à des molécules qui rentrent et qui sortent en permanence. Et puis de temps en temps, il y a un paquet qui arrive. Paf, vous voyez le paquet qui arrive. Et si on change ici l'interaction qui est là, je vous ai montré qu'on pouvait la changer, à ce moment-là, on va pouvoir passer d'un état stable à un autre état stable. Et c'était la potentiation que vous avez ici, où tout d'un coup, il y en avait un peu plus, ou la dépression, quand nous avions moins de récepteurs. Et ce bruit a un rôle très important, parce qu'il permet de minimiser l'énergie qu'il faut pour passer d'un état dans un autre euh, sans bruit euh, c'est virtuellement impossible de changer et de passer d'un état de quasi équilibre à un autre état de quasi équilibre. Et je crois que ça c'est une des dernières euh, diapositives euh, que je vous montre euh, où vous voyez que les échelles de temps euh, euh, qui sont abordées sont de nature euh, très différente la plasticité là c'est le changement euh, qu'on a de manière transitoire et puis la quasi-stabilité, c'était ce que je vous ai montré tout à l'heure avec ce bruit qui dure pendant très très longtemps. Et là, on pense qu'on peut stabiliser la structure pendant au moins quelques mois. Donc euh, voilà où nous en sommes aujourd'hui de ce point de vue-là. Et j'insiste sur le fait que les modèles que nous développons nous permettent de concevoir des nouvelles expériences. Et tout ça conduit à quelque chose que j'appelle euh, la chimie. Euh, euh, la chimie in cellulo. C'est ce que je vous ai présenté, c'était comprendre ici la stabilité et la régulation du nombre de récepteurs dans les synapses. Et pour faire ça, on a été obligé de développer des nouvelles technologies ou d'utiliser de, des nouvelles technologies développées par d'autres pour euh, connaître vraiment la structure, euh, compter les molécules, euh, regarder comment elles diffusent, euh, euh, mesurer les énergies, et puis développer des cadres théoriques avec des euh, physiciens euh, de l'école normale principalement ou de l'ESPCI qui est l'autre école euh, à côté de, de chez nous. Et on a pu faire ça euh, parce que d'abord on a eu des bons contrats, parce que tout ça, ça n'a pas l'air mais tout ça coûte horriblement cher hein, euh, du point de vue expérimental. Donc on a eu des bons contrats et puis euh, surtout des étudiants et des post-docs euh, absolument euh, remarquables. Et généralement, je montre cette diapositive, pourquoi Parce que, ça c'est ceux qui sont passés dans le laboratoire, mais je les montre parce que ça montre qu'en faisant une biologie extrêmement fondamentale, sur des concepts qui sont vraiment des concepts de base, et eh bien si on la fait bien, on arrive à trouver du boulot. Tous ont, été, ont obtenu des positions, soit de profs, soit au CNRS, soit dans d'autres institutions, en France ou à l'étranger. Voilà. Il y avait également des, des, des travaux qui ont été faits avec des physiciens de l'école ou de l'environnement et puis des biologistes moléculaires qui sont ici les principales collaborations que j'ai eues sur cette thématique dans les quelques minutes qui restent je vais essayer de vous montrer maintenant comment est-ce que ça, ces choses là ont une pertinence pour les pathologies et ça comment ça m'est venu cette histoire là parce que euh, moi je travaille sur la synapse comme vous le voyez, je suis assez loin des, des pathologies de manière générale et une industrie euh, euh, pharmaceutique m'a demandé un jour d'organiser un colloque sur synapse et euh, Alzheimer. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion ou jamais pour moi de m'instruire. Donc euh, j'ai invité des gens, j'ai mélangé des gens, etc. Et tout ça a été très intéressant. Et en écoutant une conférence, euh, bah, j'ai eu euh, une idée. Et cette idée a prospéré de manière pas mal. Donc, l'idée, elle est extrêmement simple. Vous avez compris que. Vous avez compris que ce que l'on voit où on a une stabilisation transitoire des récepteurs, ça résulte de l'interaction avec des protéines qui sont en dessous. Et puis. L'énergie que l'on avait mesurée en KT, c'était l'énergie de cette liaison qui était ici. Et le temps où ça restait là, c'était le temps de, de résidence, c'était le temps pendant lequel les molécules interagissaient ensemble. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une protéine d'échafaudage, un système d'échafaudage, un scaffold en anglais. Et dans euh, les maladies neurodégénératives, il euh, y a un phénomène qui est un phénomène commun à pratiquement toutes les maladies euh, neurodégénératives, que ce soit l'Alzheimer, euh, le Parkinson, les maladies à prion. D'ailleurs, on dit, euh, euh, dit l'Alzheimer, on devrait dire les Alzheimer, hein, parce qu'il y a beaucoup de formes. Euh, on devrait dire les Parkinson, il y en a beaucoup de formes. Et donc, dans ces maladies, elles ont une caractéristique commune, c'est qu'elles évoluent. Et elles évoluent comment En gagnant progressivement des régions du cerveau. Où il n'y avait pas d'atteinte au préalable. C'est-à-dire que des neurones malades contaminent des neurones sains. Cette propagation que vous avez dans le cerveau, là, je vous redessine le cerveau de tout à l'heure, ça commence, disons, dans la, cette région qui est ici, la région euh, du, du lobe temporal, le cortex pyramidal, le cortex hippocampique euh, euh, que je vous ai montré tout à l'heure, là, dans les trucs du cas. Et puis, progressivement, la maladie gagne d'autres régions dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. C'est d'autres régions dans le cadre de la maladie de Parkinson. Et la manière dont ça se fait, c'est que vous avez des protéines, qui sont les protéines à bêta-amyloïdes, ou alpha-synucléines, ou protéines tau, peu importe leur nom, qui sont mal formées et qui forment des agrégats. Et ces agrégats de protéines, ils diffusent et ils vont contaminer les neurones voisins. Donc, on est dans un cas de quelque chose qui est, euh, qui est assez particulier, c'est que des protéines sont contaminantes. C'est un peu comme dans la maladie de la vache folle, où c'est les prions qui sont mal formés et qui vont contaminer des neurones. Donc, on a des protéines contaminantes. D'ailleurs, on a étendu notre modèle également aux maladies à prions. Alors, quelle est la base de ce modèle La base de ce modèle, elle est de deux natures. La première, de dire voilà, on, voilà une synapse avec un morceau de neurone avec des récepteurs. Ah, J'ai oublié qu'il y avait des crêtes de couleur, là c'est un peu plus joli. Voilà. Et puis euh, ici il y a d'autres types de molécules. Il y a des molécules qui sont dedans ou dehors. Tout ça du rouge là maintenant. Il n'y a pas. Voilà. Tout ça ça diffuse dans le plan de la membrane, et puis ça peut être stabilisé de manière transitoire par des protéines d'échafaudage. Et puis vous avez à l'extérieur ces protéines contaminantes qui se baladent dans l'espace qui est ici, qu'on appelle l'espace extracellulaire. Donc si on dessine de trucs comme ça, nous disons, en... non, je ne vais pas le dessiner, enfin, voilà, elle est en train de diffuser ici. Et pendant que le fait qu'elle, quand elle diffuse en 3D, sa probabilité pour rencontrer d'autres molécules, pour aller se coller les unes sur les autres, etc., elle est très faible, euh, sauf si c'était à très forte densité. Mais quand vous arrivez dans l'espace à 2D et que vous commencez à diffuser ici en 2D, la probabilité de rencontrer d'autres molécules devient très forte. C'est-à-dire on passe d'une probabilité quasi nulle à une probabilité quasi euh, 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 égale à 1. Donc on est dans, une, dans, un, dans un système où la membrane se comporte, comme on dit, comme un espace de restriction pour les interactions moléculaires. Donc c'est comme un, ce qu'on appelle un réacteur chimique. Un réacteur chimique, c'est ça c'est on met les molécules ensemble, on chauffe et euh, euh, les molécules euh, bougent beaucoup plus et finissent par se rencontrer. Donc c'est ce qui se passe là. Et il y a une analogie que je fais pour expliquer ce, ce concept-là euh, des fois à des étudiants. Je dis si vous mettez euh, un garçon et une fille dans une même pièce, euh, s'ils ne se plaisent pas du tout, euh, il ne va rien se passer du tout, l'affinité est très faible, mais si vous commencez à monter un peu la température, euh, 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 ils vont finir par interagir, parce qu'ils vont finir par se déshabiller, il fait trop chaud, et puis finalement ils vont finir par se reproduire. Donc on a une réaction chimique, température dépendante, dépendante du confinement. Donc euh, c'est exactement ce qui se passe en chimie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'a euh, qu été écrit euh, les affinités électives. Euh, parce qu'au euh, fond, c'était le moment de la découverte des affinités chimiques. Donc euh, l'autre a fait les affinités électives. Euh, voilà. Donc c'est de la chimie, quoi. Et ce, ça, c'était le premier élément de base. Le deuxième élément de base, c'était que ces molécules, en allant s'accrocher à l'extérieur, allaient sur la membrane du neurone et interagir, allaient interagir avec des molécules. Et en interagissant avec des molécules, former des plateformes artificielles qui pouvaient induire une signalisation pathologène qui pouvait jouer sur la synapse ou sur d'autres fonctions cellulaires importantes et faire mourir le neurone. Et donc on a vu que tel était le cas pour les protéines dans la maladie d'Alzheimer, pour les protéines dans la maladie de Parkinson. Et tout ça, ça veut dire que ça nous donne une ressource thérapeutique. Pourquoi Parce que si la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils essayent de faire Ils essayent de faire, soit de diminuer la sécrétion de ces protéines, mais quand on fait ça, on est obligé de toucher sur des mécanismes fondamentaux très importants de la cellule, ou bien ils essayent de prévenir la mort du neurone. Parce que ici, vous activez un certain nombre de cascades qui vont faire mourir les neurones. Mais quand... Ça a déjà commencé, c'est déjà trop tard. Donc l'idée, c'est d'empêcher que ces molécules aillent se coller là-dessus. Et donc on est en train de développer maintenant toute une série de techniques. Euh, on, a fait, technique, on a fait ça avec des, des gens de, 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 du, du CEA. Des techniques pour essayer de blinder ici, avec d'autres protéines, ces euh, éléments-là, pour qu'ils ne puissent plus aller se coller. Sur la membrane, et ça, on sait faire des choses qui sont spécifiques. Alors, pour faire du, 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 du screen à haut débit de ça, je me suis associé encore avec un physicien. Il euh, y a un chimiste qui fait de la biologie structurale, donc il y, y a toute une chimie euh, assez compliquée euh, de biologie structurale. Et là, je vous raconte des choses qui sont des projets de recherche. Hein, maintenant, on est dans l'aide. Là, c'était le vrai, c'est le fait. Donc, on a publié pour l'Alzheimer, pour le Parkinson, pour les maladies à prions, euh, pour montrer, on est en train de montrer. Que des variants d'une de, de, protéine qui est appliquée dans le Parkinson pouvaient donner diverses formes de Parkinson avec diverses régions du cerveau qui étaient touchées plutôt que d'autres. Et donc maintenant, on a fait un projet dont une des composantes implique un physicien qui est un. un, un, un moi, je l'ai connu quand il était étudiant. Il faisait de la. Il était un des inventeurs de ce qu'on appelle les pinces magnétiques. Et vous allez comprendre tout de suite de quoi il retourne. Alors l'idée, ça consiste sur une plaque de verre, on colle un morceau d'ADN avec, disons ici, une protéine sur laquelle ça va se coller, ou d'autres protéines, et puis ici, là c'est de l'ADN. Alors l'ADN c'est comme un ressort à boudin. Hein. Euh, euh, et ici, on va coller sur un autre ressort à boudin un morceau de la protéine qui est censée interagir. Et puis là, on va mettre un, une laisse également en ADN. Ici, il y a une vie magnétique. Et donc avec un aimant... Enfin, un cachant magnétique, on peut tirer sur la bille magnétique. On peut la faire descendre, tirer, etc. Et donc, on peut répéter cette manip sur une même molécule mille fois, cinq euh, mille fois. Enfin, ça, ça finit des fois par péter, hein, mais, mais enfin, on peut le faire un grand nombre de fois. C'est-à-dire qu'on on arrive à faire de la thermodynamique molécule unique, c'est un oxymore, euh, 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 puisque normalement, c'est sur des populations, et donc on fait ça plein de fois. Et quand on fait ça, si on met ici, euh, alors il ne faut pas que je fasse de bêtises dans mon dessin, on met ici la, la, la longueur, la distance à laquelle on est, et ici on met la tension. Donc quand on descend, on est une certaine longueur, quand on descend en bas. Et la laisse ici, c'est pour que ça revienne toujours au même endroit quand on le fait. Et quand on tire, ça commence par s'étendre, et puis à un moment, quand on arrive à l'énergie, L'énergie qui correspond à la liaison, qui est représentée par la force qui est là, à ce moment-là, ça casse, ça s'allonge, et après ça, on allonge la laisse qui est là. Voilà. Donc, quand on regarde un schéma comme celui-là, on fait ça plusieurs fois, d'ailleurs, il y a un hystérésis quand on revient, enfin, tout ça est très intéressant. On sait que si on met, par exemple, quelque chose qui va, avec un système de microfluidique, Quelque chose qui va s'accrocher là-dessus et qui va diminuer l'interaction qui est ici, on va pouvoir changer euh, ce euh, moment où on va voir cette transition. C'est-à-dire que ça va pouvoir se déplacer, disons, là de, comme cela. C'est-à-dire que la tension à exercer quand on va diminuer l'affinité va diminuer. Et donc, avec ça, on peut faire des, de, ce qu'on appelle du, du criblage à haut débit. Donc, ça, c'est un projet. On a commencé à le faire, ça commence à marcher. Euh, mais euh, il ne faut pas que ça commence à marcher. Il faut que ça finisse par marcher totalement. Voilà. Donc euh, on n'en est pas là. Donc voilà. C'est pour vous montrer que des approches de, de physique ici sur un système incroyablement réductionniste, puisqu'on en est à faire ça sur des molécules uniques, a du sens pour aborder des pathologies qui sont des pathologies de systèmes extrêmement euh, compliquées. Et euh, c'est pour ça que j'ai une diapositive que je ne vous ai pas montrée parce qu'il y a une grande mode en biologie aujourd'hui qui est de dire qu'il faut faire des systèmes intégrés. Il faut regarder sur les systèmes complexes comme ils sont naturellement. Moi, je suis réductionniste, c'est-à-dire que je fonctionne exactement de la manière opposée. Et donc, j'avais fait une diapositive sur laquelle j'avais écrit « In vivo satanas, in vitro veritas <laughs> ». Voilà. Voilà donc, euh, oui, voilà, donc je crois que j'ai tenu le temps à peu près à 6 ou 7 minutes près. Voilà, donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.